Kumanitosoy, ou en tout cas plus connu sous le nom de Eldos. Alors, c'est beau, c'est bien, c'est facile. Pas de base, on va faire un pas de base cubain, le casino. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Je prépare la danseuse à passer de l'autre côté, comme un chupla, donc pied gauche arrière danseur, droite arrière danseuse. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc au lieu de mettre ma danseuse comme d'habitude à la droite, je la fais directement passer derrière et je lui récupère ses deux mains de cette façon-ci. Ce qui donne, pas de base, 1, 2, 3, 5, 6, 7, elle dort, 5, 6, 7. Alors ici, on est parti pour le fameux pas arrière. Donc, pas arrière, gauche, garçon, et pied droit arrière pour la fille. 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Alors ici, il y a plusieurs styles, plusieurs écoles. Si vous la faites de façon très cubaine et très sensuelle, c'est toujours très bien de jeter un petit coup d'œil à votre cavalier. Histoire de voir s'il est toujours derrière vous et qu'il n'est pas parti avec un autre. Donc, 1, 2, 3. Donc voilà, donc là, elle est en train de me frotter le dos, donc ça peut durer un certain temps. En tout cas, le temps que je le décide. Généralement, on le fait deux fois, mais on peut le faire plusieurs fois. 1, 2, 3, et apparemment, ça a l'air de lui plaire. Pour sortir, je vais lever ma main droite, et non pas dire je le jure, mais je vais lever ma main droite pour faire passer ma cavalière devant. Et comment? En sombrero. 5, 6, 7. Et je termine avec un dizikeno. 1, 2, 3, pas 5, 6, 7. Je remonte ceci une fois de face. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Je lève ma main droite, paf, je la bloque et je termine par le sombrero. Pour le sombrero, il suffit d'aller voir la vidéo consacrée au sombrero qui est détaillée. Y a-t-il un conseil particulier pour la fille? Rien de particulier pour la fille. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc, au lieu de commencer comme le garçon avec votre pied gauche, vous commencez avec votre pied droit, évidemment. 6, 7. Ensuite, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Donc, c'est le garçon en fait, qui chaque fois vous dit, donc le plus simple pour vous, c'est de suivre le garçon. D'ailleurs, dans tous les pas qu'on a appris précédemment et que vous apprendrez après, la fille ne doit jamais guider le garçon. Donc, 1, 2, 3, c'est pas le sombrero, 6, 7. Et puis, dit les kénos, 1, 2, 3, 5, 6. Voilà, donc c'est une figure qui est assez énergique où le garçon doit vraiment positionner la cavalière où il a envie, c'est-à-dire derrière, et la faire revenir. C'est une figure aussi de rueda de casino, donc si vous avez l'occasion de le faire en groupe, eh bien, soit le crieur va dire que va nous au sol, ou lui dira elle dort, c'est la même chose. À ce moment-là, il suffit de faire, de regarder le centre de la rueda, on crie elle dort, voilà, la fille est derrière, et là, le crieur, généralement, va signaler lui-même comment faire revenir la fille. Parce que la fille peut revenir aussi par un simple dizikeno. Ça, il y a moyen évidemment de faire plusieurs façons pour terminer la figure. Mais c'est certain que le sombrero, quand vous dansez à deux, est quand même beaucoup plus joli. Vous pouvez dès à présent retrouver d'autres vidéos de figures de salsa, ainsi que de merengue, de bachata et autres danses latines sur notre site internet www.coursdesalsagratis.com. À bientôt!